Intégral Placement, le Club Immo. Et oui, on va maintenant plonger plus profond au cœur du marché immobilier avec notre guide Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi, très bonne année Olivier. Très bonne année. Rédacteur en chef du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro. Alors pour cette première chronique de l'année, vous allez dresser les principales nouveautés 2014 et nouveautés qui nous attendent sur ce marché immobilier. Nouvelles règles fiscales, projet de loi Allure sur l'accès au logement, l'urbanisme rénové, évolution des prix, des loyers, évidemment beaucoup de choses vont rythmer cette année. Je vous propose effectivement de faire un tour d'horizon sur ce qui va changer les principales nouveautés. Alors tout d'abord, peut-être l'augmentation des droits de mutation, ce qu'on appelle communément en fait les frais de notaire. Alors les collectivités pourront relever jusqu'en 2016 les droits de mutation à titre onéreux. Alors les conseils généraux pourront relever l'impôt jusqu'à 0,7 points, soit 4,5% contre 3,8% aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi? Un logement ancien vendu 250 000 euros, eh bien les frais de notaire passeraient de 16 900 à 18 600 euros. Bam. Ça voilà. Commence mal. Bon, ça, il faut le savoir pour le budget. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Et puis, il y a les changements de taux de TVA. Alors, pour ceux qui souhaitent faire des travaux et rénover leur logement, sachez que la TVA passe au taux intermédiaire de 7 à 10%. En revanche, pour ceux qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique, tout ce qui touche l'isolation, le chauffage, il y a un coup de pouce, ces opérations vont bénéficier d'une TVA taux réduit à 5,5%, c'est l'objectif, c'est de réduire à terme évidemment la facture énergétique, en finir avec toutes ces passoires thermiques. Le crédit d'impôt développement durable, il est prolongé jusqu'en 2015. Et puis la fiscalité des plus-values immobilières. Alors là, pour les cessions des résidences secondaires, les abattements pour durée de détention entraînent une exonération totale de l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de prélèvements sociaux CSG, CRDS au bout de 30 ans. Mmh. Il y a un abattement exceptionnel de 25% pour les cessions qui interviennent jusqu'au 31 août 2014. Là, il faut aussi signaler que les ventes portant sur des biens destinés à être démolis puis reconstruits pourront, quant à elles, bénéficier de la mesure jusqu'au 31 décembre de cette année 2014. Et puis à noter que les terrains à bâtir continueront eux aussi à bénéficier des abattements pour durée de détention. Le gouvernement souhaitait leur suppression, il s'est heurté, on en a pas mal parlé, à la censure du Conseil constitutionnel. Voilà pour les principaux points, Olivier, en matière de fiscalité. L'autre point important, c'est ce qu'on appelle la loi Allure, c'est la future loi sur le logement, c'est ça ? La future loi sur l'urbanisme et le logement, accès à l'urbanisme et le logement, accès à cet urbanisme rénové, alors donc qui va passer en seconde lecture à l'Assemblée nationale à partir du, c'est très bientôt dans les prochains jours, le 14 janvier prochain. Alors, tout d'abord, bon, on avait beaucoup parlé de cette garantie universelle des loyers, à retenir qu'elle ne sera finalement pas obligatoire. Elle a pris du plan dans l'aile. Que les mesures pour permettre d'accélérer la construction de logements sont très attendues. On sait qu'évidemment la France souffre toujours de pénurie dans le domaine. Et les derniers chiffres du ministère sur les permis de construire et les mises en chantier ne sont pas bons du tout. Les métiers de l'immobilier seront réglementés par un Conseil national de la transaction qui veillera au respect des règles déontologiques. Et puis l'encadrement des loyers, bombe à retardement pour certains, mesure salutaire pour les autres, sera au cœur des discussions. Les investisseurs comme les locataires, tout le monde attend de voir comment seront déterminés en pratique les loyers médians. Il y a un gros travail des observatoires locaux pour déterminer les valeurs en fonction des zones géographiques, en fonction des types de biens. Mise en place prévue, si ça passe, à la fin de l'année. À la fin de cette année 2014. Et donc, seconde lecture à l'Assemblée dans 12 jours, ce sera le 14 janvier. On vient de parler du marché de la location. Maintenant, pour ceux qui souhaitent acheter ou vendre un bien, il y a une autre question qui se pose, c'est de savoir comment les prix immobiliers vont évoluer en 2014. Alors, on a connu en fait une très légère tendance à la baisse, on va dire de façon générale, en 2013. Oui. Ça devrait continuer sur ce même rythme cette année. On a connu une baisse, pas partout, pas au même rythme. Ça devrait marquer en fait cette année l'émergence, l'accélération de marchés, de plusieurs marchés à plusieurs vitesses. Des grandes métropoles qui continuent à faire de la résistance, des biens à la campagne dont les prix peuvent chuter énormément. Ouais. Derrière toutes ces moyennes, il y aura évidemment de fortes disparités en fonction de la qualité du bien, en fonction de s'il est situé près de transport, si le produit n'a pas de défaut. C'est la qualité qui va déterminer et prédominer en fait la
la prime à la sélectivité cette année. Puis il y a des vendeurs qui ne pourront pas attendre indéfiniment et qui devront faire quand même des concessions sur les prix cette année. Voilà quelques perspectives pour 2014. Ceci dit, Olivier, pour s'acheter une maison ou un appartement, il faut profiter taux bas, en tout cas de taux de crédit immobilier les plus attractifs possibles. Est-ce que ces taux vont rester bas cette année encore? C'est essentiel. Il faut qu'ils restent bas pour permettre de soutenir le marché. C'est ce qui a permis vraiment de soutenir le marché. L'année 2013 a connu, on en a parlé beaucoup ici, des taux historiquement bas. Alors, ils ont remonté un petit peu, ils se sont stabilisés en fin d'année. Alors concrètement, il y a quelques jours, les taux fixes moyens sur les marchés étaient à 2,90 sur 10 ans, 3,20 sur 15 ans, 3,50 sur 20 ans et 3,95 sur 25 ans. Pour ce premier trimestre 2014, les taux devraient remonter très légèrement, mais rester attractifs. Après, il serait vraiment périlleux de faire des pronostics dans le domaine. Un petit mot rapide de l'immobilier de prestige. On va rêver un petit peu pour démarrer 2014. Oui, allez, le magazine Propriété de France sort aujourd'hui dans les kiosques son numéro de janvier sur des reportages sur les 14 plus beaux biens actuellement à la vente en France. A priori, de quoi avoir les yeux qui brillent. Ouais, alors ça va être l'hôtel particulier parisien à l'île privée dans le golfe du Morbihan, chalet, château médiéval, duplex, maison d'architecte, villa à pied dans l'eau. Et parmi les 14, il y a notamment un bien au Cap d'Aille, construit en 1896. Je ne sais pas, on va pouvoir voir quelques images. On voit les images. Château de l'Ermitage qui offre environ 1000 mètres carrés avec vue sur Monte Carlo, le palais princier, la mer. Il abrite notamment 6 chambres, 4 salons de réception, dont la salle de bal avec ses plafonds peints situés à 15 mètres du sol. Ouf. Il y a un jardin extraordinaire sur près de 6 hectares avec cascade et bassin. Y ont séjourné notamment la reine Victoria, le roi Édouard VII. Un bien de luxe qui est proposé à la vente par Émile Garcin autour de 75 millions d'euros. Superbe. Plafond à 15 mètres de haut, on peut, avec une telle hauteur, on peut s'amuser avec des amis américaines. On peut, voilà. Tout à fait. Comme animaux de compagnie, on peut même prendre des girafes avec une telle hauteur sous plafond. Absolument. Ceci, Et voilà. Les amateurs, 75 millions d'euros. Oui, quand même. Mais voilà, on démarre bien cette année 2014 avec ces biens de prestige à la vente en ce moment en France. Merci Olivier. Olivier Marin, qu'on retrouvera encore chaque semaine au cœur d'Intégral Placement. Merci. Et le CAC 40, lui, il perd 0,57%. Dans un instant, c'est Aurélie Planex qui nous rejoint pour le journal. Et puis, juste après, nos traders qui ouvriront cette année et vous livreront leur stratégie, leurs conseils techniques sur nos indices.